Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de Death Stranding. Comme d'habitude, 2K 60 FPS, un petit truc à boire et à manger. On se met bien, plongez-vous dans le noir, un casque ou des écouteurs. Et merci à tous. Alors déjà, vous étiez nombreux à dire que apparemment j'ai bien géré la dernière zone qu'on a fait avec les échoués. Ça fait extrêmement plaisir. Et vous êtes très nombreux à avoir apprécié finalement la magie qui a opéré avec cette musique et ces plans incroyables. Je pouvais pas tracer à ce moment-là. Je me devais de rester et d'écouter un petit peu cette musique parce que elle n'était pas là par hasard. Et clairement, le dernier épisode, donc l'épisode 10, était juste insane. Hâte d'en reprendre plein les mirettes, direction la ville portuaire, on était arrivé, on va reprendre nos bagages et on va aller rejoindre les autres. Apparemment il faut trouver un bateau pour pouvoir traverser un lac, c'est parti. Allez, on se retrouve directement dans notre chambre, on avait fait notre petit pipi, notre petit caca qui nous a malheureusement pas donné de munitions et notre douche. Donc on a récupéré pas mal de petits trucs. Ah, tu veux qu'on y aille? Allez, tu sais quoi, on y va. On se casse, t'as bien raison mon Norman, commence cet épisode comme ça, là tu me fais plaisir, là tu prends des initiatives bordel. Allez, on va tout récupérer, on va pouvoir y aller, on va brancher bébé. Oh bébé, tu vas bien? Voilà. Allez, toc toc. Eh ouais, faut se réveiller mon pote hein. Ça va? Oh. Ok, un flashback. Je t'ai apporté un astronaute. L'homme peut aller partout où il veut, y compris dans l'espace. Tu vas bientôt sortir de là. Et dès que toute cette histoire sera terminée, je te promets de t'emmener où tu veux. Dès que toute cette histoire sera terminée. D'accord, donc il sait un petit peu ce qui se passe. Il a l'air de savoir ce qui se passe. Ok. Bon, alors, on a pas mal de petits trucs sur nous, d'accord? Donc, juste avant, le panneau a reçu un like, très bien, et la mongeoire a reçu 42 likes. On va aller voir un petit peu ce qu'on a dans notre inventaire, parce que mine de rien, on a normalement des marchandises perdues, évidemment. Donc c'est parti, on les remet, aucun souci à ce niveau-là. Et puis on va aussi recycler 2-3 petits trucs, parce que je sais que j'ai des petits trucs à recycler à gauche à droite. Et on va pas tarder à changer de botte, d'ailleurs, par la même occasion. Ça pourrait être, je pense, sympa. Allez, mission conclue. Bon, ça, on récupère vite fait. Aucun souci, voilà. Ça fait des niveaux, mine de rien, en connexion. C'est très bien. On prend, évidemment. Alors, recycler. C'est parti. On a une grenade qui est utilisée. Donc, on la sélectionne. On va la prendre. On va garder les grenades, hein. C'est vraiment insane. J'ai des poches de sang. Ouais, ah, résine, s'il vous plaît. Poche de sang, on va les garder. Parce que je crois que ça me paraît plutôt important, en vrai. J'en ai peut-être en trop, hein. Je les mettrai dans le casier, c'est pas vrai. C'est pas grave, pardon. Un spray colmat. Oui, j'ai trop de poches de sang, là, c'est abusé. Je suis américain de ouf, frère. Je suis américain de... Ah, en plus, ils sont tous dans ma poche. Bah oui, ça sert à rien. Très bien. Eh bien, on est pas mal. Hop, c'est parti, ça part. Voilà, recycler... Hop, ça part au recyclage, on se débarrasse, on s'allège un petit peu. Et je vais mettre dans le casier privé, mais c'est de la préparation. Chaque voyage est de la préparation, mais je préfère que vous voyez en vidéo. Au moins, vous n'êtes pas choqués et vous voyez un petit peu comment je me prépare. Plutôt que tout vous cacher, même si c'est pas le moment le plus palpitant du jeu. Évidemment. Et bonjour, c'est moi, je suis toujours morte dans d'atroces souffrances. Ok. Donc c'est parti, voilà, ça, on récupère évidemment. Casier privé, s'il vous plaît. Et dans le casier privé, on va mettre ces deux poches de sang. Donc, oh, quoique, on peut les mettre dans la poche. C'est des poches de sang, on peut les mettre dans la poche. Ah, merde! Et ben voilà, placé dans le casier privé. Allez, let's go. Les grenades, on garde et entreposé. Il y a des grenades de niveau 1 et de niveau 10. Et j'ai deux grenades sur moi de niveau 1. Allez, en vrai, on peut prendre encore une autre grenade, je pense. On peut prendre encore une autre petite grenade. Placée sur le dos, au porte-outil. J'ai plus d'échelle. Tiens. Tiens, qui voilà-je? Bah, pourquoi pas se faire une échelle? S'il me reste une échelle, bah alors, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci?
Mais oui, il me reste une échelle, aucun souci. Elle a pris quelques dommages quand même. Ça, c'est bien dommage. Ok, nous sommes partis. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Il va falloir qu'on se casse d'ici. Alors, vous êtes très nombreux à dire, à avoir dit en commentaire, B-Boy, attends, c'est quoi ces conneries? 51 000 habitants, on a l'impression d'être seul sur Terre. C'est le but du jeu, mais je pense qu'on va, être surpris. Vraiment, plus on va avancer, plus on va être surpris, à mon avis. Zéro like, vous m'avez mis? Oh, vous êtes des chiens. Ça se fait pas, c'est pas cool. C'est pas cool. Et lui, il a combien de likes? 29. C'est tellement injuste! Je suis le mal-aimé! Ah, c'est Mathieu. Ah! Quoi? De Dieu qui imprègne toute existence et génère la masse. Ah, alors comme ça, c'est toi qui l'as entraîné là-dedans. Blessé, mais toujours invaincu. Hein? Comment ça? La présidente Bridget Strand est morte? La dernière présidente qu'aura connue l'Amérique morte et incinérée? Et c'est bien sûr la fille qui a été choisie pour remplacer sa maman. Aucune chance que ça marche. Elle n'est pas taillée pour la politique, ça se voit. Mais ne t'en fais pas. Je la retrouverai. Et après, je la garderai en lieu sûr. Tu sais, je crois que j'ai compris toute la vérité sur le Death Stranding. Ah, vous ignorez encore tellement de choses, vous autres. Tiens, la fille, par exemple, elle n'est pas comme toi et moi. Ce n'est pas son truc, le Dooms. Son truc à elle, c'est plutôt la destruction à l'échelle mondiale. C'est un agent d'extinction. Ah, c'est tellement dur de créer des liens quand on ne peut pas serrer la main des gens. Mais j'ai de la chance, j'ai un excellent lien avec l'autre côté. Et toi, l'ami, tu n'as rien d'un pont. Alors que moi, j'ai un lien avec tout ça. Avec ce monde-ci, ce monde-là, et avec notre adorable petit ange de la mort. Il ne faudrait pas plus qu'une minuscule néantisation pour tous nous envoyer dans l'autre monde. Qu'est-ce que tu en dis? T'en as pas assez de traîner? N'est-ce pas exactement ce que tu attendais depuis tout ce temps? Le game over. Ok! Phase de gameplay, what the fuck? Attention, Sam. À en croire notre évaluation des risques,
qu'une seule néantisation suffirait pour détruire la ville relais portuaire. Si un seul échoué venait à entrer en contact avec un civil, ce serait la catastrophe assurée. Nous devons empêcher ça. Vous devez vous occuper de cet échoué immédiatement. Comment je fais ? Attends ! Mais t'as pas le droit de me faire ça ! Oh là là ! Comment je fais ? Je suis un homme mort, je suis cuit, je suis comme le riz. Ok. Il y a des grenades. Très bien. Hop, dans ta gueule. Ah mais attends. Oh. Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, qui voilà je. Eh, hey, dans ta gueule, hein. Rien à branler. Hop. Oh là là. Catastrophe. Il est où celui-ci? Où es-tu? Dans ta gueule. Ah là, ça dégage. Dans ta gueule, j'ai dit. Hop, c'est ta race que tu prends immédiatement. Hop, encore dans ta gueule. Voilà. Oh putain, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est qui lui? Ah, je suis tombé? Arrête, frère. Ok. Ok. Il est où le bordel? Il est là. Oh là là. Ah oui. Faut pas monter, monsieur. Monsieur, c'est soirée privée. Soirée privée, j'ai dit. Oh là là. Oh là là. Merci, frérot. Il y a des gens morts qui m'aident. Merci, gros. Ok. C'est pas mal, ça. Oh, le bordel. Il était grave stylé, mais on peut pas en parler, là, parce que je suis sur un boss, actuellement, si ça gêne personne. Ok, attendez. Ok. Bougez pas. On va classer tout ça calmement. Alors, on va tout organiser. Hein. Tout va bien se passer. Voilà. Ok. On va aller là-haut. Alors, grenade hématique, mais je n'en vois plus dans mon inventaire. Où passe-t-elle à chaque fois? Ok. Grenade, c'est ça? Ah ouais, mais j'en ai plus. Spray colmatant, c'est embêtant. J'en ai plus alors que j'ai l'impression d'en avoir 150. Dégage. Je veux plus voir. Ok, j'ai trouvé. Je pense avoir trouvé en vrai. Ah merde, on peut pas. Oh putain, dur. Je pense totalement avoir trouvé. Poche de sang. Écoutez bien. Ok. Désolé si c'est plus long que prévu. Oh, merci. Encore? Oh, il s'arrête plus. Toi, t'es la sœurette. Ok. Allez, let's go. On prend un peu de hauteur. Je vais le détruire, celui-ci. Il est où, le poulpe? Je vais te détruire! Salopard! T'es un homme mort! Enfin, t'es un poulpe mort! Enfin, je sais pas ce que t'es, mais t'es mort! Ok? Plus deux. Ok. Ça va qu'il te laisse pas en chien, putain. En même temps, c'était pas prévu. Premier boss, hein. Premier boss du jeu. Un calamar, frérot, d'une taille.
putain, c'est un simple verre d'enfer. Allez, mange. C'est ta race que tu viens de prendre. Ok, il a un masque comme Higgs. Ok, c'est fait. Partir pour la ville porter. Éliminer l'échoué. Mission complete. Eh bien, c'était pas évident. Je vais être très franc avec vous. Il y a eu des petits moments de flottement où, tu vois... Oh, Sugoi. Allez, élimination de l'échoué, c'est fait, cible éliminée. Quel rang vous m'offrez? Je comprends parce que franchement, il y a eu un moment, j'ai galéré quand même. J'étais en mode, j'ai plus une seule grenade et fallait que j'aille parler aux gens qui étaient morts. Donc j'accepte. Ah, c'est pas mal. C'est mieux que B, C, D et toutes les autres lettres de l'alphabet, donc it's ok en vrai. Ok. Eh bébé. Ah oui, c'est du sport, hein. Attends, j'ai envie de mettre un panneau moi aussi, hein. Je vois pas pourquoi il y a que lui qui mettrait un panneau, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, en vrai, on peut mettre ce panneau-là, hein, au profond, hein. Allez, n'abandonnez pas. Incroyable. Tout à fait incroyable. Pour la première fois dans l'histoire, un être humain a vaincu un échoué. Je doute que vous y seriez arrivé si vous n'aviez pas été un rapatrié. Non seulement le contact avec vos fluides ne présente aucun risque de déclencher une néantisation, mais de la même façon que votre cas est rejeté par la grève, votre sang peut être utilisé pour expulser les échoués de notre monde et les renvoyer de l'autre côté. Vous nous avez redonné espoir, Sam. L'humanité peut peut-être encore être sauvée. Soyez-en fiers, Sam. Amélie vous attend toujours dans l'ouest. Rejoignez votre bateau. Il est prêt. Ouais, attends. Apportez les gars, ce matériel à la ville relais du lac. Ce n'est que le début. Les gars, j'ai pris ma race, quand même. Hein. C'est embêtant, hein. Ok, je prends toi. Hein. On est très, très bien. Bon. Oh, il reste des trucs. Ah, mais moi, je les prends, hein. Les grenades de sang et tout, je me régale. Alors, on va quand même un petit peu, si ça vous dérange pas. Oh, j'ai des trucs utilisés, c'est terrible. Ok, très bien. En vrai, c'est déjà bien fait. On peut pas mieux optimiser ça. Ok. Bah, vous savez quoi, on va tout récupérer. Et ça tient bien, hein. Ça tient bien. Oh la vache, c'était terrible. Ok. Ma mission est donc là-haut. Très bien. On va récupérer toutes les poches de sang. C'est n'importe quoi, toutes ces poches de sang, en vrai. On va récupérer celle-ci aussi. Grenade, je prends, hein, les gars, parce que moi, ça me met en sueur de ouf. Hein. Ça me met en sueur de ouf. Hein. Là, c'est deux objectifs. Si j'ai bien compris. Ouais, camp mule, fallait que je collecte les trucs. Les stations à l'ouest. Ok, c'est des objectifs que j'ai juste pas fait pour le coup. Let's go, on est très très bien. Alors, on a le local bridge just par là, on va y aller, on va juste recycler les trucs utilisés, histoire de vider un petit peu. J'ai beaucoup de poches de sang. À voir ce que je peux en faire. À savoir que là, vous savez quoi, j'ai envie... Voilà. J'ai envie de grailler un petit truc. Je vais peut-être déposer ce qui est utilisé, si ça vous dérange pas. Et puis on est parti, on continue. En tout cas, la cinématique était vraiment cool, pour revenir dessus. On a découvert Higgs, qu'on avait déjà vu. Mais là, par contre, la dame qu'on avait croisée avec son parapluie, j'ai déjà oublié son pseudo. On l'a revue et je sais pas, est-ce que c'était une illusion ou autre, fait par Higgs? Je sais pas trop, pour être honnête avec vous. Donc on verra bien. Ah, mon smile, personne l'a aimé, quoi. Mais Miskin, regarde la gueule que j'ai, quoi. Les gens me détestent. Allez, on est parti. Direction le bateau. Je vous ai passé toute la phase de recyclage où j'ai stocké aussi pas mal d'éléments. J'en ai récupéré d'autres. Donc, on est très très bien. Je vais pas me laver tout de suite. On attendra de voir où le bateau nous emmène et on ira se laver là où le bateau nous emmène. Toutes les caisses que vous voyez dans mon dos, c'est des grenades. Donc, croyez-moi que j'ai décidé de ne pas les stocker, mais plutôt de les garder pour le coup parce que c'est des grenades, frère. Avec ce qu'on vient de combattre là, un calamar, frère, qui fait la taille d'un building, j'ai pas, tu vois ce que je veux dire. On n'est jamais trop prudent, je préfère avoir beaucoup de grenades, et puis au pire, ça se liquidera vite, c'est pas un problème. Surtout que là, c'est des grenades gratos, même si j'ai utilisé toutes les autres grenades, et ça, c'est un petit peu plus embêtant. C'est par où? C'est par ici, je suppose. Oui.
embarquer, allô ? Vous comptez faire un tour dans cette embarcation ? Si c'est le cas, sachez que vous devrez d'abord abandonner toute marchandise que vous n'avez pas eu l'occasion de livrer. Ce serait toutefois dommage d'abandonner un truc important, surtout si vous étiez sur le point de terminer une mission. Ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser ça dans votre casier privé à la ville relais portuaire. Et si votre sens des responsabilités vous titille, vous pouvez toujours terminer vos missions avant de partir en croisière. C'est à vous de voir. Est-ce qu'elle parle des grenades aussi pour la même occasion ? Parce que c'est que du stuff, là, hein. Ça m'embêterait de perdre toutes les grenades. Ok, nouvelle étape à franchir. Let's go, on verra bien. Très bien. Ça m'embêterait de perdre toutes les grenades. Non, ça a l'air d'être bon. Un petit creux ? Ah ! Tiens ! Vous y êtes arrivé. Je suis quelqu'un de coriace, contrairement à ce qu'évoque mon nom. Vous avez vu cet enfoiré, vous aussi, hein ? Higgs, c'est le chef d'un groupe de séparatistes. J'ai eu l'impression qu'il avait le contrôle de cet échoué. C'est ce qu'on peut faire au niveau 7, si ce n'est plus. Vous avez l'air d'en savoir long sur lui. On bossait ensemble avant. On va dire qu'on avait passé un contrat. Vous faisiez affaire avec des terroristes ? Tout pour le pognon, hein. Il n'était pas comme ça à l'époque. C'est quoi votre but ? Vous voulez sauver le monde ou le détruire complètement, comme lui ? J'aimerais vraiment que les choses soient différentes, vous savez. Voilà notre bateau. Pas d'inquiétude, il flotte encore. Allons-y. C'est nous qui donnerons le feu vert. Épisode 3, Fragile. Demain, si tout va bien. Je vous l'ai déjà dit, Sam. Le passé nous rattrape toujours. Écoutez, je voulais vous demander quelque chose. C'est à propos de cette espèce d'ordure. Higgs.
Est-ce que tu te rappelles ? Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Je ne m'en doutais pas avant que tu me le dises. J'ignorais que j'étais vivante. La vie et la mort, c'est exactement la même chose quand on est tout seul. Tu es toute chaude. Je veux pas rentrer à la maison. Je veux pas rentrer à la maison. Tiens, c'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Tu as oublié comment rentrer chez toi ? Allez, viens. Je vais t'emmener à mi-chemin. Et après, tu pourras te débrouiller tout seul. Ça va mieux ? J'attendrai que tu viennes, là, sur la grève. Viens vite me retrouver. On venait très souvent jouer tous les deux dans cet endroit. C'est toi qui me faisais venir. Moi, je pouvais pas faire le chemin tout seul. Dès l'instant où on a toujours un corps de l'autre côté, on n'a pas la possibilité d'aller et venir comme on veut. Donc tu peux pas regagner l'Est en passant par là. Ce ne sera pas possible tant qu'on ne reformera pas un tout, Sam. J'attendrai que tu viennes. Là, sur la grève. Viens vite me retrouver. On va dire que j'arrive, de toute façon j'ai pas trop le choix. Oubliez pas que elle, son corps ne vieillit pas, mais que celui de Sam, lui, vieillit en temps normal, comme vous, comme moi, comme nous, évidemment. Je sais pas comment vous faites pour dormir. Vous voulez un remontant ? C'est sa friandise ou quoi ? Bienvenue dans la ville relais du lac. Quoi ? Non, rien. Allons-y. Oh là là, je crois que j'ai perdu toutes mes grenades, mes poches de sang. J'ai perdu tout mon putain de stuff. Ah, on peut dire qu'elle m'avait prévenu, mais quand même ! Ah, à moins que dedans... Il y ait mes fringues, je sais pas... Ces marchandises viennent de la ville relais portuaire et vont au relais du lac. Je vous demande d'en prendre soin. Le terminal de livraison est juste là. Ah ! Je vous laisse à vos affaires. Et de mon côté, je m'en vais régler les miennes. Amusez-vous bien, Sam. Mmh.
Ok, on peut dire que clairement l'épisode 2 n'était qu'un tuto. Donc maintenant, oh lolo, est-ce que c'est pas un petit peu de la régalade ça? Vas-y Sam, vas-y, tu connais hein. Chronopost mon pote à côté. Et ils ont qu'à bien se tenir. Ok, et ben voilà, on est très très bien. Alors, j'ai tout ramassé, donc ça c'est plutôt cool. Le terminal de livraison il est juste au-dessus. Voilà, on va monter tout doucement. On a céramique. Eh, je prends. Attends, hop, Sam, s'il te plaît. On a dit doucement, Sam. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal, ça. Oh la vache. Attends, parce que... C'était limite. Oui, mais ça, je peux pas le prendre. Ça, je peux... Attends. Quoique... Non, je peux pas le prendre. Ok. Oh non, abuse pas. Oh, écoutons. Attendez. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Attendez, 300 mètres, parce que c'est quand même très embêtant, 300 mètres, non? Attends. Bah, let's go. Nous n'avons pas trop le choix, on viendra, si ça vous gêne pas. En fait, c'est vraiment un périple où on voit Sam en prendre littéralement plein la gueule. Et c'est assez insane parce que on vient à... Moi, il me fait de la peine, vous voyez ce que je veux dire? Quand il s'est endormi dans le bateau tellement il était épuisé. On sent que t'as une mission que t'as pas voulu, t'as pas choisi. T'es épuisé, frérot, genre. T'as juste envie de dormir. T'as eu un passé de mort. T'as un présent de mort. Ton avenir, ça sera sûrement la mort. Et t'es juste en mode, foutez-moi la paix, clairement. Allez, on va s'arrêter là. On déposera tout cela lors du prochain épisode. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour la suite de Death Stranding. A bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Et on ira aussi chercher les colis XL et tout. C'est juste à côté. C'est vite fait, ne vous en faites pas.